Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour un tout nouveau Let's Play. Il fait chaud, il fait super chaud pour moi, je pense que la vidéo sortira mi-octobre, mais pour moi, de mon côté, on est en plein juin, enfin presque fin juin, et il fait super chaud, je suis en train de nager dedans, en plus j'ai mis un gros t-shirt noir, bon, voilà, mais il est joli, du coup c'est bien, c'est Star Platinum, voilà. Et donc, je voulais dire, on attaque un nouveau Let's Play, un Let's Play différent de d'habitude, étant donné que c'est un jeu sur émulateur, ce n'est pas un jeu PC, c'est un jeu sur émulateur, c'est un des tout premiers jeux auxquels j'ai joué, je pense que c'est mon tout premier jeu Game Boy. Alors, je sais, la plupart d'entre vous, en tout cas ceux qui me regardent d'après mes stats, sont à peu près aussi âgés que moi, voire moins, et c'est un jeu qui est sorti il y a un bon bout de temps, même si là pour le coup je vais jouer à la version Game Boy Color, donc c'est vraiment c'est la deuxième version. J'ai fait la version sur Game Boy plusieurs fois, la vraie Game Boy, la toute première du nom. Bon, elle était pas à moi, elle était à un oncle, donc voilà. C'est pour vous dire que c'est carrément, c'est vachement, c'est vieux. C'est pas vachement vieux, c'est quand même pas mal vieux. C'est pas tout récent, mais c'est un jeu pour lequel j'ai passé des heures et des heures que j'ai adoré, que j'adore toujours d'ailleurs, de temps en temps je le refais. Il s'agit de The Legend of Zelda Link's Awakening. C'est un de mes Zelda préférés, si ce n'est mon Zelda préféré. Comme le JDG, c'est étrange d'ailleurs. Et puis voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu de Zelda, en tout cas faire une aventure. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse une aventure assez rapidement. Vous allez voir, c'est assez rapide, ça reste un jeu de Game Boy. Même s'il était long pour l'époque, ça reste un jeu de Game Boy. En plus, je vais le faire en couleur pour la première fois, parce que le jeu que j'avais n'était pas en couleur. Enfin, il y avait des nuances de gris, comme sur tout Game Boy, mais voilà, le jeu n'était pas en couleur. Et donc voilà, je vous propose, on est parti pour ce... Merde. Voilà. Nope. Nickel. Voilà, j'appuie sur les boutons un petit peu, il y avait un petit problème avec Fraps. Voilà, donc on est parti, on va aller s'occuper de... non pas de Ganon, mais de l'île de Kokolint. Allez, c'est parti. Donc, on va créer une sauvegarde... voilà. Alors, je joue bien évidemment sur un émulateur. On va l'appeler Link, parce que... parce qu'on n'a pas de race. On pourrait l'appeler Zelda, ça change aussi la musique. Allez, on va l'appeler Zelda. On va l'appeler Zelda, ça change aussi la musique d'intro. Comme dans... enfin, ça fait quelque chose, en tout cas. Comme dans le tout premier Zelda, premier du nom. Non, merde, petit D. Alors, je sais plus si ça fonctionne avec Zelda minuscule ou Zelda majuscule. Ça devait pas être ça. Ça devait pas être ça. Bon, non, on va essayer quand même. On va essayer. Si on le met en majuscule... bah alors... bon, ferme ta... tu m'emmerdes, je vais prendre le premier. Donc voilà, nous nous appelons Zelda, évidemment, même si... c'est personnellement que c'est Link. Donc nous nous réveillons comme dans la plupart des Zelda, en fait. Dans quasiment tous les Zelda. Ah, enfin, j'ai cru que tu n'allais jamais te réveiller. Tu devais cauchemarder. Quoi, Zelda? Tu dois être encore Patrak. Non, Zelda, c'est le Zelda, en fait, il a l'impression que c'est Zelda, la vraie Zelda. Et là, c'est Marine, en fait. Tu es sur l'île de Kokolint. Ou moi, comme je disais quand j'étais plus jeune, Kokolin. Voilà. Alors, salut Zelda. Ça va être chiant, ça va être pète couille. Mais on peut changer son nom par voyou, ou je vous montrerai comment. T'es réveillé? Je suis Tarkin. Ou Tarkin. Ouais, quoi, comment? Comment je sais ton nom? Bah, c'est gravé sur le bouclier. Bah d'ailleurs, il est à toi. Je te le donne. Voilà, on récupère le bouclier, ça c'est fait. Nous récupérons notre bobo. Utilisez-le pour reposer vos ennemis. Voilà. Donc, au niveau du mapping de l'émulateur, déjà, j'allais pas prendre un truc pour capturer directement la Game Boy, parce que voilà, c'est un peu compliqué. Au niveau de l'émulateur, en fait, j'ai mis clic gauche, clic droit sur A et B. Et puis voilà. Donc là, je vais aller chercher mon épée. Je vais rusher un petit peu parce que c'est pas forcément la partie intéressante. De manière générale, je vais quand même rusher le jeu pour vous laisser encore la découverte.
Je vais juste faire les donjons essentiellement. Hop, on va pousser ça. Je vais vous laisser faire les donjons essentiellement. Enfin non, je vais faire les donjons et je vais vous laisser faire les side quests ou les trucs comme ça. Bon, j'en ferai quelques-unes bien entendu, mais je vous préfère vous laisser le plaisir de la découverte parce que c'est un jeu qui a encore l'aspect exploration des Zelda. Voilà, mon épée, elle est sur la plage. Ouhou, cette épée est donc à toi. Je comprends pourquoi les monstres s'agitent tant. Celui qui doit réveiller le poisson rêve est arrivé. On dit que pour quitter l'île, cette personne doit d'abord le réveiller. Viens me voir dans la forêt enchantée, au nord du village. Je t'y attends. Ouh, ouh. Je fais très bien le hibou. Tu as retrouvé ton épée, c'est la tienne car il y a ton nom dessus. Et c'est un jeu, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas la Master Sword dedans. C'est un des rares jeux où il n'y a pas la Master Sword, à moins que ce soit elle la Master Sword, mais ça m'étonnerait. Donc je vais rapidement interchanger le truc. Donc là c'est l'inventaire en fait. On a l'inventaire ici, les 8 instruments qu'il faudra retrouver, et notre argent, le cœur, tout ça. Appuyer sur Select, ça peut permettre de voir... Ah putain, ça c'est différent. Ok, d'accord. Donc là il y a les quarts de cœur, l'habit, et... Ah, il doit y avoir des trucs en plus sur cette version. D'accord, ok. Alors Select, là vous avez la carte du monde, donc c'est au case par case, il suffit de se déplacer sur la carte pour savoir, voilà. Par exemple ici c'est le village des mouettes, le village d'origine, donc là il y a la plage, donc il y a 8 donjons en plus du donjon final, même si le donjon final est assez court, c'est assez étrange, c'est pas vraiment un vrai donjon final, c'est essentiellement un gros boss. Voilà, donc on va récolter un petit peu de rubis, parce que j'ai besoin de rubis. Pour faire 2-3 petits trucs intéressants au tout début du jeu qui vont me servir pour aller un peu plus vite par la suite. Donc comme je vous dis encore une fois, n'hésitez pas à choper le jeu, que ce soit en émulateur ou sur console, même si je vous conseille clairement sur console, c'est quand même beaucoup plus agréable que sur l'émulateur. Alors lui c'est pour bien pour farmer le fric. Ah voilà, donc là c'est le gland. Et non c'est pas salace du tout, c'est juste un truc qui te permet d'éviter de perdre de la vie les premières fois où, voilà, j'ai pas perdu de vie alors que j'ai pris un coup. Et je crois que ça dure jusqu'à 2 coups, je crois. Je vais un petit peu fermer du fric, mais il n'y a pas grand chose. De toute façon, il me faut à peine 10 normalement. Donc là dedans, il y a un crocodile avec des bananes. Et il va me servir un petit peu pour plus tard, vous allez voir. Je vais faire ça assez vite, je pense que je vais faire ça avant même d'aller à la forêt. On va essayer de faire un donjon par épisode. C'est largement faisable. Le seul problème des donjons en fait, c'est que. Bon. J'arrive à les faire tranquillou de tête. Ils sont assez compliqués. Franchement, ils étaient assez compliqués quand j'avais 5 ou 6 ans. C'était vraiment la grosse galère de l'infini. Oui, d'accord. Quand j'avais 1 ou 2 ans, c'était. Enfin, 1 ou 2 ans. Quand j'avais 7 ou 8 ans, c'était quand même la grosse galère. Parce qu'ils sont pas si simples. Mais. Le plus gros souci, je trouve, quand je suis devenu adulte, c'était les boss. Parce que les boss. Il demande un sacré degré de skill et un petit peu de chat. Alors là, dans la maison là qui est là, c'est une librairie. Elle nous servira à la toute fin du jeu. Je vous souhaite un petit peu. Bah putain de merde, il y a un livre ici. C'est des places de commode, quoi, tu avais remarqué. Ok. Hein? Il y a un livre là-haut. Alors là, il était pas dans la version originale du jeu. Du coup, alors ici, il y a un quart de cœur. On va directement aller chercher. Et c'est aussi un bon endroit pour récupérer des cœurs parce que les trois plantes juste du dessus, elles donnent toujours des cœurs. Donc si vous voulez régénérer de la vie. Donc là il y a un chien. Oui ça c'est un chien et un chat à côté. D'ailleurs le chat faut pas lui taper dessus parce que sinon il a tendance à nous péter la gueule. Mais le pire c'est les cocottes. Évidemment les cocottes elles te pètent la gueule. Essaye pas de toucher aux cocottes mec. Alors là il y a... Voilà, il y avait un coquillage surprise, donc c'est un collectible. Et si on les a tous, en fait, on a la... Merde. Ouais. Voilà, évidemment, ce qu'il fallait éviter. Quand on a un collectible, quand on a tous les coquillages, à la fin, on a ce qui ressemble à la Master Sword. Alors, oui, il y a un Yoshi. C'est exactement ce que j'allais chercher. Donc là, en gros, c'est un jeu à grappin. C'est un jeu à grappin tout con. Il faut aller se déplacer, on va aller chercher le Yoshi, je vais en avoir besoin en fait. Voilà, suffit de mettre l'ombre dessus. C'est un peu plus compliqué de choper les trucs qu'il y a autour. C'est un poil la galère.
Mais bon, c'est pas très difficile. On va récupérer le Yoshi. Parce que j'en ai besoin pour faire du troc en fait. Il y a un système de troc dans ce jeu. C'est une sorte de sous-quête, mais qui est en fait indispensable pour un donjon beaucoup plus tard. Et j'ai pas envie de me le taper tout le long. Et je préfère faire les trucs que je peux faire d'entrée de jeu rapidement. Alors, ce Yoshi, il faut en fait aller. Il apparaît dans notre inventaire normalement. Ouais, voilà, on a le Yoshi. Là, il y a Marine, elle peut chanter la balade du poisson rêve, on l'écoutera à un moment. Donc là, il y a le magasin qui est le vrai magasin, c'est-à-dire celui où on peut acheter des trucs. Il y a une pelle d'ailleurs. On peut voler d'ailleurs des trucs dans le magasin. Je vous montrerai quand il faudra aller chercher l'arc. Parce que l'arc se chope dans ce magasin, il coûte tellement cher que généralement. Ben, je vole l'arc. Voilà, tout simplement. Alors, le Yoshi, il faut le donner à Bilule, je sais pas comment elle s'appelle. Voilà. Elle en échange, elle nous donne un nœud papillon. Voilà. C'est un ruban, pardon. Voilà, donc je vous ai expliqué le système de troc. Alors lui, c'est Papounet, le papa des quadruplés. Ah oui, c'est vrai que c'est des quadruplés ici. Plus tard, je me perdrai dans les montagnes. Tu viendras m'aider, hein. Alors là, je trouve ça assez bizarre. C'est que il dit un truc qui va se passer beaucoup plus tard, mais genre comme si c'était évident. Mais je me perdrai dans les montagnes. Quoi? Alors, si quelqu'un me sort ça, je fais... Tu veux pas qu'on t'aide d'abord ou tu y ailles pas si tu sais que tu vas te perdre? Alors, là, on va aller donner le nœud papillon au petit chien. Logique, hein, il faut donner le nœud papillon au petit chien. Donc ouais, c'est un peu tordu, mais comme c'est un Zelda et qu'il faut parler à tout le monde et que y a pas énormément non plus de personnes, bon, ça va. La pâtée, on va aller donner bah du coup au crocodile qui était en bas. C'est aussi hyper logique, je suis d'accord. En plus, ça va nous perdre. Ah oui! Un fragment de puissance. Alors, le fragment de puissance, c'est en gros, on tape deux fois plus fort et on projette tous les ennemis. C'est idéal pour faire des boss. Alors, par contre, ça disparaît au bout de quelques coups et aussi au bout d'un. Dès qu'on rentre dans un bâtiment, en fait. Donc, à partir du moment où vous avez un fragment de puissance, faut le garder. Faut essayer de le garder un maximum, donc rentrez pas dans un bâtiment et ne prenez pas de coups. Donc ça projette bien les ennemis, c'est hyper pratique. Voilà, donc, monsieur crocodile. Mais qu'est-ce que tu as là? Je t'en prie, donne-moi cette pâtée. Je t'en supplie. Alors, que décides-tu? Oui. Allez à table. Yam, yam. Quel délice. En récompense, je t'offre des bananes. Quel régal. Oui, voilà. Donc voilà, j'ai récupéré les bananes et je crois que j'en aurai besoin pour le donjon numéro 3. Donc c'est pour vous dire, c'est pas... Ça va, j'ai juste fait ça histoire d'être plutôt tranquille au début. Et de pas avoir de problème. Alors, après on en a besoin pour le donjon numéro 3, mais après ça reste... c'est une sous-quête qui continue. Et qui normalement, on s'en contrefou. Enfin, pas vraiment, je crois que ça donne un objet à la fin, si je me souviens bien, qui peut être utile pour d'autres sous-quêtes, mais en soi qui est pas... Voilà, qui est pas indispensable. Si je me souviens bien, c'est pas vraiment indispensable, même si c'est agréable à faire. Donc on va aller dans la forêt qui est au nord. Voilà, évidemment, on pouvait pas passer parce que il y avait la plantouille. Ouh, bienvenue à la forêt enchantée, mon brave garçon. L'île Cocolint abonde en mystère et n'existe sur aucune carte. Son règlement est unique. Tu ne pourras pas la quitter tant que le poisson rêve dormira. À propos, as-tu visité la case flagello située au sud du village? On est passé à côté en fait, je vous montrerai. Vas-y avec la clé canchée dans la forêt, le poisson rêve te regarde. Ouh. Alors la forêt. Avec les moblins, voilà. Donc ils ont pas du tout la même tête que dans le Breath of the Wild ou les autres Zelda. Ce sont des moblins, oui. On va explorer un petit peu. Alors là, je peux pas encore passer parce qu'il faut les bracelets de force pour soulever ça et j'ai pas encore les bracelets de force. Alors là, il y avait un moblin équipé. Les moblins, ils lancent des flèches. Sinon. Ils ont l'air un peu passifs comme ça, mais oui, ils sont passifs. Alors là, je vais vous expliquer un petit peu le. Il y a un mystère dans cette forêt où il faut aller récupérer la clé du donjon en fait, de la clé Géo. La clé, elle est là. On peut pas passer parce qu'il y a des trous. Enfin si, on peut techniquement passer. Si je me souviens bien, on peut passer, mais c'est pas par là en fait. Il y a un autre passage où on peut cheater. C'est pas censé être comme ça. Donc là normalement, si on se souvient bien, on est dessous. Donc là il y a un raton laveur.
Je suis un raton laveur esplègue et j'aime pas du tout ce qui est poudreux. Voilà. C'est ça qu'il dit. Il y a un raton laveur qui parle. Et tu vas te perdre dans la forêt. Hihi, bien fait. Et donc, logiquement, attendez, c'est là que c'est quoi? Ouais, c'est ça. Logiquement, la clé, elle est là. Hein. On en a regardé, on était là, on a regardé ici, la clé, elle est là. Et je suis là. Donc voilà, donc il y a un problème. Et en fait, le problème, c'est le raton laveur. Donc là, normalement, il y a une grande fée, mais elle apparaît que si on est mal en point. Du coup, ça va. Et donc, pour ça, en fait, on va aller... Non, mais non. Je vais pas au bon endroit. Bon, fragment de puissance, c'est pratique. On va aller quelque part, mais en fait, je devrais pas commencer à aller par là. Je devrais commencer à aller ailleurs. Voilà, je dois aller ici d'abord. C'est plus optimisé. Alors, je vous enjoins vraiment à faire le jeu. Hein. C'est là, je fais un peu le gros connard à rusher comme un taré. Les chauves-souris, j'adore les chauves-souris parce qu'elles ont vraiment une... elles sont toutes petites. Là, normalement, c'est de la thune. Il y a beaucoup de thunes dans le jeu, on en a besoin de pas mal, donc c'est plutôt bien qu'il y ait un peu de thunes. Ah, j'ai jamais trop compris ce que c'était, des blobs, je sais pas trop. Ah, il y a un quart de cœur, mais on pourra pas l'avoir parce que les trucs verts, on a besoin de les soulever avec les bracelets de force. Voilà, donc là, ce que je cherchais, c'était le champignon. Les champignons, un arôme subtil, exalte ton sens de l'odorat. Alors, c'est par ici, en fait, où on peut passer techniquement. Il faut rusher en passant sur le côté du... Voilà, on est juste à côté du coffre. On peut rusher en passant par le trou. Et c'est un petit peu compliqué. Voilà, pas très difficile. Genre de petite énigme. Alors, on a aussi l'attaque circulaire hein, dès le début. Mais je crois que c'est aussi comme dans la plupart des Zelda, des vieux Zelda. Hop. Voilà. Pousse-toi. Putain. À chaque fois, je me fais tabasser par lui. Hop. Voilà, donc vous voyez, ils me lancent des flèches, mais ils sont pas hyper agressifs, du coup ça va. Encore un autre quart de cœur, il y en a vraiment des quarts de cœur partout. Alors, pas toucher celui-là. Pas toucher celui-là, c'est électrique et ça fait super mal. Voilà, donc ce que je voulais aller, c'était ici, avec des jolis arbres qui font peur. C'est une perte de temps pour ma poudre, il me faut le champignon de la forêt. Bon bah voilà, j'ai champignon. On va lui filer... Voilà, tu m'apportes le champignon qui est en dehors. Bon, dardard, je concocte une mixture. Voilà, ça y est, tout est prêt. Attention, il y en a peu. Veux-tu la tester ici? Voilà, donc j'ai 20 unités de poudre magique. Ça permet en fait de faire pas mal de trucs. Genre allumer des trucs. Ça tue aussi certains ennemis. Pas tous. Et d'une manière générale, faut pas trop l'utiliser parce que c'est, il y en a pas beaucoup. On peut augmenter la taille de la sacoche, je crois, mais pas de beaucoup. Du coup, voilà. Je devrais rusher un petit peu plus parce que j'en ai pas besoin. J'ai déjà 70 de thunes. C'est assez... Aïe! Putain, et ça ralentit une fois que tu l'as dans les pieds. Voilà. Donc là, on va retourner voir le raton laveur de mes couilles qui m'empêchait de passer. Et je dois dire que les premières fois, j'ai passé trois plombes à comprendre comment ça... C'était quoi le beans avec ce raton laveur. Mais bon, j'étais con à l'époque. Je suis toujours un peu, mais peut-être un peu moins. J'ose espérer un peu moins. Voilà, donc là, tout simplement, il aime pas ce qui est poudreux. Il aime vraiment pas ce qui est poudreux. J'ai croqué dans un champignon, voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il avait à dire. Il avait un petit souci, un coup de champignon. Voilà, la clé flagello. Tu peux ouvrir la porte de la cave flagello. Le hibou. Ouh, avec cette clé, va à la cave flagello. Prends l'instrument qui est dissimulé. Dépêche-toi, le poisson rêve attend. Ouh. Donc là, en gros, on va aller faire le premier donjon.
Et je dois dire que c'était pas si simple d'aller chercher la clé du premier donjon. Quand je me remets un petit peu dans le contexte de quand j'étais plus jeune, quoi. Bah c'était pas si simple parce qu'il fallait faire pas mal de choses. Fallait comprendre que le raton laveur il te bloquait. Fallait lui parler avant de faire le kéké et d'aller tout droit. Alors la cave Fageo elle est ici. Ça me fait tout bizarre de voir le jeu en couleur. Parce que moi quand j'y ai joué il était pas en couleur. Voilà, elle est là. Hop. Alors le niveau est pas vraiment énorme. Dans 10 minutes normalement ça devrait être poncé. Hop. Alors ce que je trouve assez génial d'ailleurs, c'est que c'est des donjons avec beaucoup de portes, de clés, de trucs comme ça, d'éléments. Et je me suis toujours dit, qu'est-ce qui se passe si en fait il n'y a plus de clés, si on est bloqué. Mais les donjons ils sont tellement bien faits que en termes de game design, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tu peux utiliser une clé à n'importe quel endroit, ça te débloquera jamais. Voilà. Donc là j'ai récupéré la boussole qui indique l'emplacement des coffres et du boss. Et donc quand ça fait tout, c'est-à-dire qu'il y a une clé dans la salle. Voilà, la clé était là. Donc là c'est pour vous dire, là, on vient de récupérer deux clés. J'aurais pu ne pas en utiliser une parce qu'il y avait la boussole derrière. Et la boussole, je m'en fous un peu parce que je connais le donjon. Voilà. Donc là il y a un truc qu'il faudrait que je l'éclate à coup de bombe, mais j'ai pas de bombe sur moi, du coup tant pis. Je crois qu'il y a juste un coffre à côté. Donc là je suis mieux protégé. Des rubis. Alors là il y a une... C'est pas destructible, c'est bidule. En tout cas pas avec les armes que j'ai là. Une petite clé. Et par contre je sais pas du tout ce que c'est, à quoi ça correspond dans les autres jeux hein, comme monstre. Bon. Donc là c'est la grande clé du boss, mais pour y accéder j'ai besoin de plus de petites clés. Et aussi du premier item. Me fais pas chier parce que ça, vous allez voir. Non, tu veux. Aïe, voilà, c'est ça. Hop. Ah non, merde. Oula, j'ai de la chance. Ça ralentit. Et ça peut vite faire chier. Alors là, pour le coup, la première fois, j'ai bugué un petit peu. Je me suis dit, putain, comment je fais, c'est bloqué. Et en fait, c'est tout con. Voilà. Tout ce qu'il fallait faire. Alors, ça y est, c'est assez récurrent dans la série, c'est bidule à bouclier. Alors le hibou là avec un trou dedans, en fait c'est un indice, mais j'ai besoin du truc de marbre. Un item de marbre où en fait ça permet de compléter l'indice, de savoir ce qu'il veut dire. Et là c'est des passages en 2D, et j'ai beaucoup, beaucoup aimé tous les passages en 2D du jeu. En plus il y a des... comment ça s'appelle? Merde, des Goombas. Alors que c'est pas du tout le jeu, il y a des Yoshi et des Goombas, tu sais. J'aime beaucoup, beaucoup les passages en 2D. Il y en a très très peu, mais j'ai toujours apprécié. Je sais pas pourquoi. Voilà, le premier item. La plume, soudain, tu es plus léger que l'air. Donc en gros, ça permet de sauter. Et c'est un des items les plus... Putain. Ah, j'appuyais pas sur les bons boutons. Ah, c'est un des items les plus sympas. Donc ça permet de récupérer les objets en hauteur, comme ça. Mais aussi de sauter les gouffres, évidemment. Et c'est aussi un item qui est méga broken en termes de... En termes de trucs qu'on peut faire... où on peut faire péter des pans entiers de niveau, des trucs comme ça. Mais bon, je suis pas speedrunner. Donc voilà. Je le ferai pas. Normalement, je ferai le jeu en mode legit. À ceci près que je connais quand même pas mal le jeu. Voilà. Par ici, il y a un squelette. Je sais plus si j'ai une... Est-ce qu'il me reste une petite clé? Putain, il a lâché un... Fils de pute! Pourquoi tu l'as lâché là-bas? Ah oui, moi, c'est une petite clé. Ah bon, là c'est là où il donne le marbre, mais c'est un petit peu compliqué. Je vais essayer de le faire. En gros, il faut tous les arrêter au même icône. Et dans l'idée, il faudrait faire une attaque circulaire, mais qu'ils soient tous au même endroit. Putain,
Eh oh, regroupez-vous, bande de fils de pute. Ou alors j'en arrête deux et j'essaie d'arrêter le prochain. Oh! Oh, c'était magnifique. Oh, je m'aime. Voilà, donc là j'ai trouvé le bloc de pierre avec complété une statue de chouette. Et donc là en gros ça donne un indice. Si tu vois les pointes, pense à utiliser ton bouclier. Ok, donc ça donnait un indice pour là-bas. Là c'est le mid-boss. Normalement on peut le faire en un seul passage. Il suffit de bourriner, il passe toujours devant l'épée. C'est assez simple, je dois avouer. Il y a toujours au moins un mid-boss par donjon. Il y en a un ou il y en a plusieurs, mais c'est parce que c'est fait pour. Donc là c'est l'entre du boss. Je vais pas aller plus loin parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Par contre... Ah, il me reste une petite clé. Il me reste quand même une petite clé. On va essayer d'aller chercher le coffre. Mais j'ai l'impression que j'ai oublié un morceau du donjon. Plusieurs d'ailleurs. Ah non. Ok. Bon voilà. Oui, bon, c'est pour vous dire, le premier donjon est assez rapide. Surtout quand on connaît. Ça se fait assez simplement. Mais comme je dis, franchement, ce qui m'impressionne toujours le plus... J'ai même pas la carte. J'ai pas récupéré la carte comme un con. Ce qui m'impressionne toujours le plus, c'est... C'est le game design. Le fait d'arriver à faire des donjons qui soient intéressants. Pas facile, pour certains. Et en plus de ça, d'arriver aussi à faire en sorte que... Bah, tu sois jamais bloqué. Tu sois jamais véritablement bloqué. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu te rends compte... Ah merde, il y avait plus de clé. Bon bah, voilà, j'ai plus de petite clé. J'ai tout utilisé, je suis bloqué. Alors ça, c'est le premier boss. Il paye pas de mine. Mais il peut être très, très, très relou. C'est pas qu'il est fort. C'est que son point de faible est sur la queue. Mais le problème, c'est qu'il a tendance à repousser. Le problème, c'est que sur les côtés, c'est du vide. C'est du vide qui te fait tomber en dessous et que les escaliers, du coup, servent à ça. C'est qu'il faut remonter en utilisant les escaliers et à chaque fois, ça reset le boss. Et là, je dois dire que je suis plutôt content parce qu'en fait, j'ai changé mon setup. Avant, j'utilisais le clavier entièrement pour jouer à l'émulateur. Et là, j'ai mis sur la souris. Donc en gros, je me déplace avec les touches du clavier et je tape avec la souris. C'est quand même beaucoup plus pratique parce que j'ai passé une demi-heure sur mon émulateur la première fois. Ah, putain, ce boss. Il arrêtait pas de me pousser dans le vide. J'arrivais pas. Mais vraiment pas du tout. Et là, ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc le premier instrument. Le violon des vagues. Donc en gros, on va collecter les 8 instruments pour réveiller le poisson rêve. Ça m'a d'ailleurs toujours impressionné, ça c'est la version Game Boy Color, mais la version Game Boy tout court avait quand même un bon son. Marais, la route même au marais fleuri. C'est-à-dire que là, on entend les instruments, bon, ils ont pas réussi à reprendre tous les instruments à perfection, mais franchement, pour de la Game Boy, c'est plutôt mastoc. Ouh, c'est un des instruments des sirènes. Tu es brave et je t'avais sous-estimé. Cet instrument, utilisé avec les 7 autres, a le pouvoir de réveiller le poisson rêve. Collecte ces 8 instruments. Je suis ici pour t'indiquer le chemin. Maintenant, va au marais des anémones. Si tu es au nord. Ouh. Voilà, donc on a fait le premier donjon. On va pas tout à fait s'arrêter là. J'ai envie de montrer encore 2-3 petits trucs. Je pense que c'est plutôt pas mal, on va essayer de faire un donjon par épisode. Monsieur, c'est terrible, c'est horrible. C'est des gogos, des momos, des moblins sont venus dans le village. Ils étaient une armée. Ils ont sorti, ils sont entrés, oui c'est ça. Ils sont entrés et là ils ont pris le minou, non. Ils ont pris toutou. Il vaudrait mieux que tu ailles voir ce qui se passe. Voilà, donc en gros là il y a des moblins qui sont arrivés et qui ont piqué le gros toutou, voilà, qui était là. Et ça va nous être fort utile, enfin, en tout cas, va falloir aller le chercher, et ensuite, il va falloir aller au marais, parce qu'il va nous être fort utile, parce que c'est un toutou végétarien. Vous allez voir, c'est assez drôle. Mais ce que je voulais vous montrer... Zelda, bon, il m'appelle Zelda, évidemment. Tarquin fait la sieste à la maison, je préfère chanter. Oui, pourquoi pas la balade du poisson rêve. Voilà,
La balade du poisson rêve, l'hymne en fait de ce jeu carrément, c'est celle qu'on entend tout le temps, c'est celle qui est jouée par les instruments, tout ça, c'est celle de marine quoi. Voilà, donc c'était sur cette petite note musicale que je vous propose tout simplement d'arrêter. C'est un jeu qui est vraiment sympa, je vous invite vraiment à l'essayer, trouvez-vous une ROM rapidement, voilà, ça peut être super sympa. Et quant à moi, je vous retrouve du coup dans 4 jours pour la suite de ce petit let's play. Il va pas être très long, hein. Il y a 8 donjons. Je vais essayer de faire un donjon par épisode. C'est normalement faisable, ça durera du coup 8 à 9, allez maximum je pense 10 épisodes. Mais franchement, je trouve ça super cool, j'aime bien, enfin, je suis pas très dans le rétro gaming, mais il y a des jeux que j'aimerais vous faire partager et ça fait clairement partie de cela. Voilà, donc je vous laisse là et je vous retrouve du coup dans le prochain épisode pour le prochain donjon. Allez, salut à tous, portez-vous bien!